en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santébro, sagadabro, liketetebro, santa kadana, likarama suralani, liramama solebro, chakra, idededo, santé kebro. La rama suta de côté la gauche à la rama de salade. Quelle est le sang de la base? Rima mama contre la balle de soleil. Vino robo fleuve. Rama chavale. L'inquiète de mon psyché tabla l'ordre la masse. L'incata ma fonte de l'émotion. Rama utara. Ricata de la maman. Rile de mon. Shalom, shalom, bien-aimés, sois béni dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons encore ce matin pour bénir notre Seigneur et les prières, les paroles avec lesquelles nous allons communier ensemble ont toutes été conçues par notre Abba, Ashia, Pakom, Marie. Faisons-le ensemble avec foi et autorité. Et notre Seigneur rejoindra chacun en ses besoins. Alléluia. Dans Éphésiens 5, verset 14, il nous est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, remercie pour le Seigneur pour le don de la vie. Ne prends jamais à la légère, comme le dit bien notre Abba, le fait que tu sois en vie, c'est une grâce, c'est un privilège. Surtout, particulièrement, en ces temps d'épreuves, où par jour, les morts se comptent malheureusement parfois par milliers. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, rends grâce à Dieu, bénis-le. Exprime-lui ta reconnaissance en élevant les mains. Bien-aimé, élève les mains et prie avec moi le Seigneur. Ô Seigneur, je te dis merci. Merci en ce matin d'avoir gardé ma vie, celle de mes proches, mon époux, mes enfants. Merci, merci ô Père, car tes projets pour moi, pour l'Église et pour toute l'humanité sont des projets de paix. Oui, des projets de paix. Et ces projets de paix, Seigneur, mes yeux les voient. Mes yeux les voient et mes mains y participeront. Merci, ô Père, pour tes anges répandus sur toute la terre avec toutes ces coupes de bénédiction pour les répandre sur chacun de nous. Oh, merci pour ces hommes et ces femmes qui, dans le secret, ne cesse d'intercéder pour l'humanité. Oh oui, c'est fort ces temps que nous vivons. Ces temps sont sérieux, ces temps sont mauvais. Et il nous faut ces intercesseurs. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces intercesseurs. Merci Seigneur pour tous les soignants, pour tout le personnel médical et paramédical qui est mobilisé
dans cette pandémie de coronavirus, parfois et très souvent même, au péril de leur vie. Bien-aimés, ils ne ménagent aucun effort pour soigner, pour guérir, pour consoler toutes ces personnes infectées par le coronavirus, toutes celles qui sont isolées ou en grande détresse. Et il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes. Bien-aimés, continuons notre action de grâce. Merci Seigneur pour tous ceux aussi qui, au péril de leur vie, apportent une assistance spirituelle. Bien-aimés, nous avons appris dans les actualités qu'il y a des dizaines de prêtres qui sont morts dans l'exercice de leur ministère. Et nous bénissons Dieu pour le privilège, pour la grâce que nous avons d'avoir ces hommes et ces femmes de Dieu à côté de nous. Oh mon Dieu, sois béni pour toutes les bonnes actions et ces hommes et femmes de bonne volonté qui allument ainsi des foyers d'amour de par le monde. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu car vraiment il est bon de rendre grâce au Seigneur, de nous réjouir avec lui pour tous ses bienfaits. Bien-aimés, il nous faut aussi maintenant implorer la miséricorde de Dieu. Il nous faut nous repentir pour nos péchés personnels et les péchés des membres de nos familles. C'est important, bien-aimés, car nous devons nous approcher du Seigneur d'un cœur purifié. Daniel chapitre 9, verset 5, le prophète nous dit, dans le jeûne et la supplication, il nous dit, « Oh, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements, ô Dieu, et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. Nous n'avons pas écouté. » Bien-aimés, aujourd'hui, chacun de nous a conscience. Les temps sont mauvais. Nous ne pouvons continuer à demeurer sourds à la voix de Dieu, à sa parole qui nous interpelle. Repentons-nous ensemble. Repentons-nous. Oh Dieu, en ce matin, j'implore ta miséricorde. Je te demande pardon de tout mon cœur, Seigneur, pour mes péchés, mes fautes, mes transgressions et ceux de chacun des membres de ma famille. Seigneur, je suis profondément attristée de mon manque de consécration à l'origine de toutes ces désobéissances. Je dépose au pied de ta croix toutes les conséquences de mes péchés. Je les dépose, Seigneur. Je les dépose, Seigneur. Ô Père, pardon, car nous avons fermé nos cœurs et nos oreilles aux avertissements prophétiques. Nous avons été sourds à la parole de tes prophètes, des hommes de Dieu, des serviteurs. Pardon, ô pardon, Yahweh, car nous récoltons ce que nous avons semé par notre indiscipline, notre négligence, nos abominations, nos péchés d'adultère, nos péchés d'impureté, nos péchés d'idolâtrie. Oh, miséricorde, ô Père, miséricorde, parce que nous avons cru au début de cette pandémie qu'elle devait concerner seulement la Chine. Nous n'avons pris aucune précaution. Nous avons rejeté les prescriptions sanitaires. Nous avons même méprisé toutes ces personnes qui en étaient victimes en Chine. Oh, bien-aimés, continuons de nous repentir, de regretter nos péchés, de les confesser avec un cœur rempli de contrition. Miséricorde, Yahweh, car nous nous sommes dit aussi que cela ne concernait que les Occidentaux. Nous sommes même réjouis, Seigneur, car nous avons dit qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, que c'était une punition, un jugement de Dieu pour tous leurs méfaits, pour toutes leurs mauvaises actions.
Oh Yahweh, pardon. Pardon, Seigneur. Au lieu de fléchir le genou, je passe mon temps sur les réseaux sociaux à chercher des nouvelles et à répondre à toutes les fake news qui s'y font, qui s'y disent. Oh, pardon, Yahweh. Purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur, prosternés au pied de ta sainte croix. Pardonne-nous. Et, Seigneur, nous sommes confiants en ce que tu nous restaures. Tu renouvelles nos vies par ta miséricorde, par le pardon que nous t'avons demandé et que tu nous as accordé. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, en ce matin, comme chaque matin, il te faut annuler tous les mauvais rêves que tu as eu à faire au cours de cette nuit. Toutes les intrusions démoniaques par ces songes, par ces mauvais rêves, pour frustrer ta destinée, il faut les annuler en ce matin. Daniel 4, verset 19, la Bible nous dit, « Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Tu vas lever la main droite d'autorité. Tu vas dire « Jésus » trois fois et tu vas prier avec moi pour annuler tous ces rêves démoniaques. Que tu t'en souviennes ou pas, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, en ton nom, j'annule tout rêve dans lequel un esprit de femme ou de mari de nuit vient coucher avec moi, est venu coucher avec moi. Tout rêve où on me donne de la viande ou des substances à manger, je les annule au nom de Jésus, Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Rédempteur. J'annule tout rêve où mes activités sont menacées, tout rêve de limitation, de non-accomplissement, je les annule au nom de Jésus. J'annule tout rêve où moi ou l'un de mes proches est menacé de mort ou d'une grave maladie, tout rêve où l'on m'envoie des cercueils, je les annule au nom de Jésus, par le sang de Jésus de Nazareth, je les annule. Tout rêve qui vient semer la mort, la peur, l'angoisse, la dépression dans ma vie, je les annule au nom de Jésus. Je les retourne à leur envoyeur et je reprogramme tous ces rêves en victoire, en triomphe sur mes ennemis, en bénédiction et en prospérité dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, bien-aimé, bénissons notre Dieu qui a verrouillé toutes ces portes d'entrée maléfiques et les annulées par son nom puissant et par son sang précieux. Bien-aimé, maintenant, tu vas combattre contre ces fléaux, coronavirus, fièvre de Lassa et tous ceux encore qui sont en préparation. Ces fléaux qui sème la peur et la désolation et qui paralyse le monde entier. Deutéronome 28, verset 7. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Bien-aimé, tu vas mettre en déroute ces fléaux, ces démons qui se cachent derrière ces fléaux. Tu vas les renvoyer dans les abîmes. Tu vas dire « sang de Jésus » trois fois, « feu du Saint-Esprit » trois fois et tu lèves la main d'autorité et nous allons prier. « Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. »
Seigneur Jésus, j'envoie ce matin ton ange aux quatre coins du globe, répandre ton feu pour consumer toutes ces principautés et dominations qui défient l'autorité que tu as donnée aux enfants de Dieu que nous sommes. Vous, anges déchus, qui vous tenez aux portes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, partout dans les endroits stratégiques, contre vous, que le feu de Dieu s'élève, que le feu de Dieu vous consume. Disparaissez par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, prie avec moi et prie avec autorité. Seigneur Jésus, je déclare, ô toi démon de maladie endémique qui endeuille la terre, par l'autorité du nom de Jésus, Christ a vaincu à la croix. Pars maintenant au nom de Jésus. De partout, enfuis-toi, sois précipité dans les abîmes au nom de Jésus et que par le feu du Saint-Esprit, tu sois consumé. Nous commandons à Saint-Michel Archange et à tous ses anges de te ligoter partout où tu es. Partout où tu es ligoté, tu es vaincu. Oh, démon de coronavirus et toute maladie endémique, pars dans les abîmes maintenant. Bien-aimé, tu vas prendre cette parole avec moi qui est tirée de l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 10, verset 19. Voilà que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et elle ne pourra vous nuire en rien. Alléluia. Certaines versions nous disent, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, sache que cette parole est forte. Et sache aussi que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Cette parole va agir dans ta vie. Elle va agir dans le monde. Elle va agir afin d'éradiquer ce fléau. Car Christ nous a donné la puissance de marcher sur ce fléau, de l'annuler à jamais, de le faire disparaître, ainsi que toutes ses conséquences. Amen. Oh Dieu, ce matin, je brise toutes les chaînes spirituelles répandues par le COVID-19 qui paralysent physiquement, spirituellement, financièrement ce monde. Que ces chaînes-là tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tous les lieux dans lesquels il veut se répandre, que nos pieds qui sont des pieds de feu, nos pas qui sont des pas de feu, les écrasent au nom de Jésus. Pendant que tu fais ce geste-là de marcher, tu les écrases maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les écrases maintenant. Où tu es, écrase-les. Et vois-les écrasés dans toutes les nations. Amen, amen, amen. Bien-aimés, la Bible nous dit en Ésaïe 53, le verset 5, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce que les meurtrissures du Christ, de notre Sauveur, de notre Seigneur Rédempteur, sont là. C'est par ces seules meurtrissures-là que nos corps sont guéris de cette calamité, de ce fléau, que la guérison rentrera dans les corps et s'installera définitivement. Tu vas lever la main d'autorité avec moi. Tu vas dire Jésus trois fois, sang de Jésus trois fois, et on va prier. Jésus, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, par les meurtrissures du Christ, par les plaies qui lui ont été infligées au cours de sa passion, pour moi, pour tous les peuples de la terre, maintenant, je déclare la guérison dans les corps de tous les malades du COVID-19, les malades en réanimation, les malades à la maison, les malades ignorés. Je déclare également la guérison de la fièvre de Lassa et de toute pandémie qui endeuille l'humanité actuellement. Alléluia. Que chacun reçoive le toucher de Dieu, que les saintes plaies du Christ les guérissent et les restaurent au nom de Jésus
Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, toute la terre actuellement est en crise. On s'interroge avec anxiété sur les répercussions économiques de cette pandémie. Comment est-ce qu'on pourra gagner notre vie de nouveau? Est-ce que j'aurai toujours les mêmes revenus, les mêmes avantages que j'avais avant? Je veux te dire, bien-aimé, par cette parole qui est tirée de Genèse, chapitre 26, à Dieu qui disait à Isaïe, qui voulait émigrer en Égypte à cause de la famille qui sévissait. L'Éternel lui a dit de demeurer dans le pays. Et en Genèse 12, verset 26, la parole de Dieu nous dit que Isaac fit des semences dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Alléluia, alléluia. Cette parole est merveilleuse, bien-aimée. Elle réjouit mon cœur. Je sais qu'elle réjouit ton cœur où tu es, car elle est forte. Et elle est pour toi une parole d'espérance, une parole d'impact et une parole qui s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ensemble afin que l'espérance qui n'est pas vaine dans nos vies s'accomplisse. Oh Dieu, qui fait jaillir l'eau dans le désert, je déclare sur le fondement de cette parole que je sèmerai dans cette nation ivoirienne, que je sèmerai en France, que je sèmerai en Belgique. Bien-aimé, tu répètes le pays où tu es, que je sèmerai aux États-Unis, que je sèmerai au Canada, partout où vous êtes. Bien-aimé, nous sèmerons, tu sèmeras et tu récolteras au centuple. Car l'Éternel est le Dieu de toute fidélité et de toutes les impossibilités. Au nom de Jésus, et il est avec toi, il est avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas faire ces déclarations prophétiques avec moi. Oh Dieu! Dieu de ma guérison, de ma délivrance, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je déclare qu'aucun grenier, aucune maison ne sera vide. Oh Dieu, je déclare que les comptes bancaires se rempliront miraculeusement. Aucune disette, aucune pauvreté ne pénétrera chez moi, ne s'attachera à ma vie, ne s'attachera à mes pas. Je déclare, au nom de Jésus, parce que ton nom est invoqué sur moi, que je serai providentiellement secouru. Quel que soit mon besoin, quel que soit mon manque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien au contraire, désormais, l'abondance, la prospérité seront mon partage. Amen, amen, amen. Nous prions encore le Seigneur Jésus, que l'ange qui se tient à la porte de la mort, entre la vie et la mort, Père, nous voulons l'envoyer auprès de toutes ces personnes agonisantes qui sont condamnées. Seigneur, particulièrement pour celles qui ne te connaissent pas, afin que tu te révèles à elles, que tu leur montres ton visage, qu'elles soient évangélisées, Seigneur. Je te confie l'âme de toutes ces personnes qui sont mortes, oh Dieu, oh Seigneur, par la prière de la Théotokos, la porte du ciel, tu te souviennes d'elles. Accueille-les dans ton royaume céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimé, à Marthe affligée, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, je sais que parmi nous, le deuil a affligé beaucoup de personnes, que les larmes retentissent dans la maison, que la souffrance est là. Mais je veux te donner cette parole aujourd'hui pour te dire de demeurer dans la confiance, dans l'espérance, de demeurer dans la foi, car le Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher dans cette épreuve, fera jaillir une grande bénédiction pour toi, non seulement pour toi, mais pour toute l'humanité avec toi. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, au terme de ce temps, nous voulons demander encore que le Seigneur, qui a déjà agi, car spirituellement, comme nous le dit notre Père Abba, ce virus, il est vaincu. Mais il faut continuer à obéir aux prescriptions sanitaires, aux mesures barrières, comme on les appelle. Il faut se laver les mains très souvent, aussi souvent que tu le peux, avec du savon ou avec un gel hydroalcoolique. Il faut, bien aimé, ne pas embrasser, ne pas saluer avec les mains. Rester à un mètre de distance des uns des autres. Éviter les grands rassemblements, surtout les rassemblements de plus de 50 personnes. Et bien aimé, si vous n'avez rien à faire dehors, je vous en prie, restez chez vous. Continuez à supplier notre Seigneur. Continuez à prier contre cette pandémie, contre le coronavirus. Bien-aimés, nous allons conclure avec cette prière contre ce démon, contre cette pandémie. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale. Mais nous avons confiance en vous. Donnez-nous votre paix et votre santé. Ô Marie, protégez-nous. Continuez à prendre soin de nous et à nous conduire avec votre amour vers votre Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, pour cette journée, nous allons méditer dans le chapitre 13 du livre des Hébreux, le verset 5, qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alléluia, alléluia, bien-aimés, nous voulons au terme de ce temps rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce temps qu'il nous a donné. Nous avons communion ensemble dans la prière. Nous avons été rendus forts par le lien de la prière, par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu demeures dans la présence de Dieu. Que ta journée soit conduite, soit fortifiée par ce temps que nous avons passé ensemble. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse car il est fidèle et il le fera au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oh, oh. Rama Shabale, le que te demo si que te abra lo que era más.
Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh. Shut up, Lady Rush, Lady Rush.